Ok, vous êtes prêts? Donc, nous, on va vous poser des questions. Il n'y a pas besoin de stresser, vous êtes super détendu. Vous nous répondez comme ça vient. D'accord. Donc, commencez par vous présenter. Dites-nous un peu ce qui s'est passé. Je m'appelle Michel, mais on m'appelle Mich Mich. J'ai emménagé récemment dans la maison et au bout de quelques jours, j'ai été témoin de... phénomènes plutôt... curieux. Quel genre de phénomène ? Décrivez-nous. C'est inexplicable, des impressions que la pièce se refroidit tout à coup, des objets qui bougent, des lumières qui clignotent, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Franchement, pour être honnête, au début je voulais pas y croire. Je pensais que c'était le voisin chelou qui voulait rentrer chez moi. Il est bizarre. Alors j'ai installé des caméras de sécurité partout. Et en regardant les vidéos de la caméra de sécurité, j'ai vu... Ok, prenez votre temps. Vous pressez pas, ça va aller. Dites-vous que personne vous jugera ici. On aurait dit un fantôme, je crois. Les images que vous avez capturées, est-ce que vous pouvez les diffuser ? Je les ai plus. Une mauvaise manip, je les ai supprimés. Ok, c'est pas grave, y'a pas d'inquiétude à avoir. De toute façon, on va s'occuper de votre problème de fantôme. On va envoyer notre meilleur agent. On est là pour ça. On est là pour vous. Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? Alors ? I'm on observation duty, c'est un jeu de caméras de sécurité. Comme son nom l'indique, on observe. C'est de l'observation, tu vois ? Le but, c'est de détecter des phénomènes paranormaux, des objets qui bougent, qui disparaissent, qui apparaissent, des esprits, des monstres, des trucs un peu chelous. Une fois qu'on les a détectés, vous décrochez votre téléphone et vous composez le numéro de l'agence de neutralisation des unités surnaturelles. Anus. Ouais, bon, on planche encore sur le nom. Car votre maison fait l'objet de phénomènes paranormaux. Les agents de l'Anus, c'est un peu la police du surnaturel, vous voyez. Des Ghostbusters, ils chassent les fantômes et tout et tout. Vioup, allô, l'agence Anus ? Ça pue du cul dans la maison ! Envoyez quelqu'un, tout de suite ! Tout de suite ! Qu'est-ce que c'est que cet orchestre ? Ok. Select level, please. Vieille maison, nouvelle maison. Vieille maison. Ça recèle souvent de secrets et d'esprits maléfiques. Je veux dire, il n'y a jamais aucun film d'horreur qui se passe dans une nouvelle maison. C'est toujours les vieux trucs qui ont été habités depuis 300 ans, construits sur des cimetières indiens. Vieille maison. Il va y avoir de l'action. Ah d'accord, ça commence direct. Y'a pas d'intro, ok. On doit travailler. Oh, un message. Attention à tous les employés. Un certain nombre d'anomalies a été détecté. Faites extrêmement attention aux phénomènes surnaturels et veuillez faire un report de la situation dès que vous remarquez quelque chose de suspect. Signé, l'Anus. L'Anus. Caméra bedroom. Donc c'est la chambre de Monsieur Mich Mich qui nous a confié sa maison parce qu'il s'y passait des trucs bizarres. Et on va découvrir quoi ? Tout d'abord, la première chose à faire, c'est de bien retenir la position des différents objets. Une photo. Une autre photo. Petite photo de couple ? Bah oui, c'est Mich Mich et sa copine. C'est trop mignon. Des pilules. Des pilules ? Des pilules. Tu nous caches quelque chose, Mich Mich ? Qu'est-ce que tu nous caches, Mich Mich ? C'est pas très net, ça, Mich Mich. La drogue. Pas bien. Non, ce n'est point de la drogue. Soyons ingénus. Il s'agit de doliprane pour les bobos au ventre. Petit problème gastrique chez Mich Mich. Oui, je pense que c'est ça, c'est des doliprane. Ça se tient, ça se tient. Une guitare. Ah, monsieur Mich Mich est mélomane. Il pratique la guitare. Lui d'ailleurs qui a composé la musique d'intro. C'est rangé en tout cas, ça fait plaisir. Après bon, il a des goûts douteux en matière de déco. Mais y a pas d'anomalie, y a rien qui sort de l'ordinaire. À part ce truc là, mais c'est pas interdit d'avoir des goûts de chiottes. Le living room. Y a des petits cartons de déménagement.
Mich-Mich vient d'acheter sa demeure, et là... Oh, grosse colère! Il constate que la maison est hantée, et il balance le mobilier. Il est un peu grognon. Une plante verte, un casque... Ok, une plante verte, un casque... On retient. C'est le bordel, mais il n'y a rien de bizarre. Allô, l'agent Sanus? Nous ne détectons rien pour le moment. Terminé. La cuisine! Oh, belle espace! C'est beau, c'est pas mal. Je sens qu'on va faire des soirées raclette de qualité dans cette cuisine. Des raclettes toute l'année, pendant l'été, quand tu veux. Il y a un fauteuil, on a un ordinateur portable, une table avec 1, 2, 3, 4, 5 assiettes... Il y a une anomalie. Oh, agence Sanus, il y a une anomalie. Anomalie de type chaise. Je fais comment pour leur dire la chaise elle est hantée. Je fais comment? Report. Oui, c'est ça, je veux reporter. Lieu cuisine. On est dans la cuisine, putain. Et puis il dit quoi ça? Abyss. Mais non, c'est pas abyss, c'est object movement, mouvement. Ouais, c'est ça, objet. Nous c'est objet en mouvement. Voilà. Ça y est, c'est bon. Donc finalement, Mich-Mich n'avait pas abusé des doliprane. Il y a vraiment un truc chelou qui se passe. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire pour régler le problème. Envoyer un exorciste, peut-être. Mais le fantôme là, il s'est mis bien. J'ai parlé de raclette, le gars il était prêt. Il était trop à l'aise. Moi je dis pas non à une raclette. Intervention de l'agence en cours. Problème réglé. C'est fait? Ils ont fait quoi? Ils sont venus? Ah! La chaise, elle a été remise. Ah ouais. Ah ça, c'est de l'intervention, ma gueule. Attendez, c'est pas que ça, c'est pas possible. Tu veux dire que l'agent, il est venu et il a fait ça? Eh ben, c'est réglé. C'est bon. Alors, moi, je m'appelle Guy. J'interviens sur les lieux à consonance surnaturelle. Je répare des trucs. La chaise, là, elle est déplacée. Moi, j'arrive, je la remets. Il n'y a pas de fioriture. Bravo, l'anus! Les toilettes. Comme après une bonne raclette, toi-même tu sais, qu'est-ce qui s'offre à nos yeux ébahis? La déco est approximative, ça bouge pas. Il y a un tableau quand même. Un tableau plutôt significatif. Certains y verront peut-être un escalier en colimaçon, tandis que d'autres pourront explorer les profondeurs les plus ancrées de l'être humain. Si tu vois ce que je veux dire. Bravo, l'anus! Une bonne source de motivation pour faire caca et un extincteur, parce qu'après la raclette, c'est toujours hyper chaud bouillant. Oh, un bidet! Mais oui, cet engin de l'ancien temps! Ceci, les amis, est un élément rare qu'on ne trouve presque plus dans les salles de bain. C'est une antiquité. J'ai connu un gars une fois qui savait pas à quoi ça servait. Et il... Vous mangez là? Faut pas regarder mes vidéos en mangeant. Je vous raconterai ça un autre jour. Le balcony! D'accord, c'est le dehors. Analysons un peu la scène. On a un cendrier ici. Retenez. Une chaise renversée. Un mobilier de jardin. Et puis le jardin. Il n'y a rien de dingus. Et re la chambre. Donc on a fait le tour de la maison. Donc à partir de maintenant, ça va être un peu le jeu des 7 différences. Comme quand on est petit. Putain, j'étais nulle à ça. Pour moi, il n'y avait pas de différence. C'était juste la même image, mais pas pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est le multivers. Par exemple, ici, il y a des schtroumpfs. Maintenant, regardez l'image de droite. Ici, il y a clairement quelqu'un qui a balancé le hochet du bébé sur la route pour l'attirer et mettre fin à ses jours. Donc, il y a un meurtrier sur le multivers de droite. Et toute sa vie, bébé schtroumpf devra regarder par-dessus son épaule pour savoir si quelqu'un ne va pas le poignarder dans le dos. Il grandira avec cette peur au ventre, il finira au chômage, paranoïaque, dans un asile psychiatrique. Alors que dans le multivers de gauche, personne ne veut tuer bébé Schtroumpf. Il grandira et deviendra chirurgien dentiste. C'est ça, le multivers. On va analyser chaque pièce, chaque putain de centimètre carré, chaque atome d'oxygène de cette maison. On va observer chaque tableau. Ok, la poubelle, l'extincteur, tout est en place. Ça va, y a rien qui bouge. Très très bien. La plante verte, très bien. Elle était là, cette chaise, au début? La chaise? Ouais, elle était là. Non, c'est sûr, elle était là. Oh! Y avait pas un verre sur le meuble? Posé là! Mais si! On ne peut me tromper 1000 fois ou une fois. J'ai écrit un rapport. Allô, l'agent Sanus? Il a volé un verre. Envoyé! Il est bizarre, ce fantôme. Je veux pas stigmatiser la profession de fantôme, parce que je sais que c'est une profession compliquée, mais c'est complètement con. Pourquoi vous faites ça, les fantômes? Bah, parce qu'on s'emmerde. Nous venons d'envoyer quelqu'un. Le problème est réglé. Ah bah oui, le verre est revenu.
Et hop! Bravo, l'anus! Là où il y a le plus d'objets, c'est la cuisine. C'est vraiment le pire parce qu'il faut retenir l'emplacement de tous les trucs. On va devoir concentrer notre attention juste dans cette pièce. On a 4 verres, une pile d'assiettes. 4 verres, une pile d'assiettes dans la cuisine. Est-ce que je devrais compter les petits cachets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cachets! Il y a 10 cachets sur la table de nuit! Si le fantôme vole un doliprane, nous sachons! Y'a rien. Ok. Concentration. Ok. Y'a rien. Y'a rien. Là. Bah là, y'a rien aussi. Bah oui. Ça n'a pas bougé. Non, 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 non. C'est le néant. Bonjour, le néant. Oh. Warning. We are detecting multiple active anomalies in your area. Please locate them and send an enemy report ASAP. Y'a pas d'anomalie, mon pote, y'a que dalle. Je m'ennuie, wesh. Oh! Là! Là, y'a un monsieur, là! C'est une anomalie? Monsieur, vous faites quoi dans la maison? C'est pas un événement surnaturel, ça. Ça, c'est le voisin qui fait les fractions. Je vais vous report, monsieur. Voilà, on n'effractionne pas les maisons des gens. Anomalie de type... Monsieur, dans le living room, à sa tête. Mais qui fait? Monsieur, vous êtes bien? Vous êtes pas bien? Il y a toujours 10 pilules là-bas? Ouais, il y a 10 pilules. Pas d'anomalie de type intrus détecté. Mais si, c'est un intrus! Il veut rentrer dans la maison! Mais c'est quoi du coup, lui? C'est juste un voisin, en fait. Hello, c'est moi, c'est Gégé, c'est ton voisin. T'as du doliprane? Ça, c'est suspect. Je te reporte. Abyss! Parce que ton âme est noire comme l'abyss. Pas d'anomalie de type abyss détectée. Mais... c'est un gueudin. Lieu... c'est un fantôme? Je sais pas, fantôme? Pas d'anomalie de type fantôme détectée? Je pense qu'il faut appeler la police. Voisin, est-ce que t'as des doliprane? Des doliprane! Il prend trop la confiance, là, avec sa tête aléatoire. Je m'entends pas de l'abricot. Il faut qu'il dégage. Il est cringe. Ça me fait peur. Oh. Ok, qu'est-ce qui se passe? Too many anomalies active. Mission failed. Mais non! Oh, les commandes répondent plus. Je vous perds. Nous nous perdissâmes. Je crois que je ne reçois plus. Vous avez réparé 2 anomalies sur 6. Oh, c'est tout. C'est pas ouf. Ouais. Ma première mission est un échec. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir les yeux partout. Je comprends pas ce que j'ai mal fait. Bah, à part le type là, chelou, qui était devant la porte. Mais c'était qui, ce mec? Je comprends pas pourquoi ils sont pas venus le chercher. Il fallait agir, Guillaume de l'anus. Il fallait agir. Cette fois-ci, je serai méticuleuse. Ma vigilance s'est accrue. Mon QI a été augmenté de 90%. Mes yeux sont surentraînés. Ok. Pas de mec chelou à la porte. Plutôt une bonne nouvelle. Le cendrier, le mobilier de jardin, tout est exactement pareil. Rien à signaler dans la cuisine. Allô, anus, rapport terminé. Oh. Oh. Et il y a une petite fête dans le jardin, regardez. Ah non, mais ça mérite un rapport, ça. Allô, l'anus? Y'a un fantôme qui fait la fête. Oh, mais qui a fait ça? RS. Oh, AS. AS. Y'a une tache par terre, je sais pas si c'est normal. What is it? Signalisation. Bien, bien, bien. Alors sale petit fantôme, t'essaies de t'échapper? Oh bah! Il est un peu salé le fantôme. La chaise Ikea! Non! Bravo, l'anus! Oh! Allô, l'anus? Apparition d'objet, oui. Allô, l'anus? Allô, l'anus! Un globe oculaire sur le bureau. Il a fait sauter la chaise! Un meuble Ikea de toute beauté! Eh oui, je poucave.
pourquoi. Salut tout le monde, si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un like et abonne-toi. Il tourne des vidéos YouTube maintenant. Non mais que quelqu'un l'arrête. Bah coucou à toi aussi. Mettez fin à ses souffrances, ça se voit, il est dans la douleur. Problème réglé. Les anomalies, j'en fais des spaghettis. Ok, waouh, waouh. C'est maléfique ça. C'est sûr, c'est maléfique. S'il vous plaît, il y a une ombre bizarre dans la chambre. Shadow Anomaly. Ah ouais. La lumière chasse l'obscurité, c'est mathématique. Problème réglé. Le but du jeu, c'est qu'il n'y a rien qui est censé bouger, d'accord? Tu trouves que quelque chose a changé? Mes yeux. Elle est à poil. Oh mais vous verrez rien, je vais censurer. Je suis obligée de censurer, je vais avoir des problèmes. Elle fait quoi là la dame? Il faut que je vous décrive le truc. C'est une dame plutôt âgée, avec une poitrine les gars, qui descend jusqu'au pied, une écharpe. Elle est toute nue dans la chambre. C'est un intrus. Mais c'est quoi ce comportement désastreux? On n'entre pas chez les gens comme ça pour se mettre à poil. Le contexte. Je veux le contexte. Après, elle est dans la chambre. Il y a peut-être une raison à ça. Oh, Mich Mich, je suis là pour toi, mon chou. Tu veux un rapport? Oui, mémé, on va faire un rapport, mémé. Allô, agence, il y a une anomalie de type mamie à poil dans la chambre. À l'aide. J'espère qu'ils vont envoyer quelqu'un. Ah, anomalie réparée. Ils l'ont réparé, c'est-à-dire... Agent de la mise, intervention. Laissez-moi enfin. Oh, ces pectoraux, c'est du naturel. Vous avez réparé 7 anomalies sur 11. 7 anomalies sur 11. Bah, l'humiliation est totale. L'humiliation qui fait mal. Bravo, Lanus. Mais j'ai fait des trucs de fou, j'avais l'esprit... J'ai repéré les lumières, les taches, les ombres. J'ai suivi le fantôme à la trace. J'étais au tac au tac. J'ai fait un plaquage à une vieille. Et le fantôme, c'est limite si j'ai pas écrit son journal intime. Cher journal, aujourd'hui j'ai invité quelques potes pour faire une petite fête dans le jardin. C'était sympa jusqu'à ce qu'un boomer vienne faire son relou. Après, j'ai eu envie de pisser. J'ai dû trop abuser de la bière, je pense. J'étais un peu pompette, alors je me suis cognée dans le mobilier. Vers minuit, j'ai jeté un coup d'œil pour me le rincer dans la chambre de Mich Mich. Je savais qu'on était jeudi. Et tous les jeudis, il y a Martine qui lui rend visite. Ah, sacré Martine. Après, j'ai fait une vidéo YouTube pour me rappeler le bon vieux temps. Salut les copains, abonnez-vous. Je fais des lives sur Twitch aussi. Tous les fantômes, la Mifa, les loups-garous, venez tous. Et puis, je me suis étalée comme une merde dans la chambre pour piquer un roupillon. C'était une chouette soirée. Merci, Mich Mich. C'est la fin de la vidéo, et si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Vous connaissez la rengaine. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vos soins et... Anomalie réparée.